a pas d'image encore. Ça marche, ça y est. Bonsoir et bienvenue à tous, que vous soyez bien sûr dans l'amphi, mais aussi tout le public qui nous suit en direct sur la chaîne YouTube d'Université Paris Cité ce soir. Et il y a déjà pas mal de monde qui attend. Ce soir, ce sera la finale de l'Alliance Sorbonne Paris Cité. Ah, on lance le chrono. Voilà. C'est aussi la 9e édition du concours international francophone Mathèse en 180 secondes. Alors, les 14 candidats qui sont là et que vous allez voir vont ce soir rivaliser de talent dans un exercice oratoire exigeant, très exigeant même, puisque chacun devra en 3 minutes tout vous expliquer de son travail de thèse. Alors attention, ça n'est pas un résumé de la thèse. D'abord, c'est impossible et ce serait parfaitement indigeste. C'est juste un exercice de vulgarisation qui a pour but de vous faire cerner le sujet, la méthodologie de travail et aussi l'enjeu de ce travail de recherche, que ce soit de la recherche très fondamentale ou de la recherche appliquée. Pour ces 14 candidats, l'aventure a commencé un soir de décembre, il y a un peu plus de 3 mois, et on se souvient avec Samia de cette première séance de travail. Ils n'ont rien dit, un petit peu abattus sûrement par l'ampleur de la tâche qui les attendait, et puis ils se sont lancés et on ne les a plus arrêtés. Ils nous ont confié avoir beaucoup travaillé, à peu près 40 heures sur leur présentation, chacun. Alors, au début, avec Samia et moi, pour l'exercice très spécifique de la vulgarisation scientifique, et puis ensuite avec Odile et Clara, de la compagnie théâtre Les Fées d'âme, qui les ont fait travailler sur leur voix, le ton, le rythme et la posture. Et ce soir, vous allez voir le résultat de tout ce travail. Et nous avons été ravis, d'abord, de les faire travailler, de les voir progresser, de le voir vraiment progresser. Je crois qu'il voit bien ce dont je veux parler. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'enthousiasme, des moments de découragement parfois, et je crois que là, à cet instant précis, il y a surtout énormément de stress. On se demande bien pourquoi, mais ça va bien se passer. Et alors, à l'issue de cette finale, qu'est-ce qui va se passer? Le jury, qui est ici, que je vais vous présenter, va décerner le premier et le deuxième prix du jury, et le public, vous, et le public aussi internaute, vous allez pouvoir voter par SMS pour décerner le prix du public. Et c'est le premier prix du jury et le prix du public qui partiront en demi-finale nationale. Si jamais c'était la même personne, ce seront le premier et le deuxième prix du jury qui partiront en demi-finale nationale. Alors, nous ont fait l'honneur de prendre part au jury ce soir Monsieur Vincent Bennett, le délégué général de l'Alliance Sorbonne Paris Cité, Madame Nejma Liassine, du journal Le Monde. Monsieur Elias Haddar, un collégien. Madame Léa Montfort, qui travaille dans la finance solidaire. Monsieur Jean-Christophe Silo, notre partenaire CASDEN, l'animateur régional pour Paris. Et Madame Emeline Mittard, la responsable de la communication de l'Institut de physique du globe de Paris. Alors, je crois qu'on va arrêter le supplice pour nos candidats, on va leur donner la parole. Et j'accueille tout de suite notre première candidate, Élise Aboud. Élise, il te revient l'honneur d'ouvrir le bal ce soir, mais je pense que tu vas t'en sortir parfaitement, puisque les répétitions ont été très fructueuses. Alors Élise, sous la direction de Carole Pessonneau, va nous parler du rôle de l'epsidine produite par l'épiderme dans le psoriasis. La peau est extraordinaire. Quand elle est en bonne santé, elle nous protège de l'extérieur, régule notre température et cicatrise très rapidement. Mais parfois, cette peau tombe malade. Et la maladie à laquelle je m'intéresse, c'est le psoriasis. C'est une maladie qui fait que la peau pèle, devient rouge et a des blessures. On sait que le stress ou certains médicaments peuvent la déclencher. Elle peut même être génétique.
Tout l'enjeu de ma thèse, c'est de comprendre les mécanismes qui font que le psoriasis se déclenche et de trouver les traitements les plus adaptés. Toutes nos cellules contiennent du fer. Dans les cellules sanguines, le fer sert au transport de l'oxygène, mais dans les cellules de la peau, le fer sert à leur renouvellement pour remplacer celles qui vieillissent et meurent. Partout, cette quantité de fer est très bien contrôlée grâce à une hormone, l'hepcidine, qui agit comme un gardien devant une porte et qui sert à garder le fer dans les cellules quand elles en ont besoin et le fait sortir quand il y en a trop. Dans le psoriasis, on sait que les cellules de peau des malades contiennent trop de fer. Donc, je me suis intéressée au rôle de l'hepcidine. Au début de ma thèse, j'ai découvert que les cellules de peau des patients produisent plus d'hepcidine que la normale. Or, plus il y a d'hepcidine, plus le fer est bloqué à l'intérieur. Et plus le fer est bloqué à l'intérieur, plus ça appelle d'autres hepcidines. Et la conséquence de ce cercle vicieux, c'est que les cellules se prolifèrent beaucoup, forment des petits amas qui finissent par sécher et peler, entraînant des lésions. Donc, je voulais savoir ce qui se passait entre le fer et l'hepcidine. Pour cela, j'ai travaillé avec deux groupes de souris différentes. Un groupe qui produisait l'hepcidine et un groupe qui n'en produisait pas. À chaque groupe, j'applique sur leur peau une crème qui déclenche le psoriasis et j'observe ce qui se passe. Chez les souris qui produisent l'hepcidine, les cellules de peau se multiplient beaucoup, contiennent trop de fer et d'hepcidine et le psoriasis est très sévère. Et chez les souris qui n'en produisent pas d'hepcidine, les cellules de peau se multiplient moins, contiennent moins de fer et le psoriasis est moins sévère. Donc j'ai compris que l'hepcidine a un vrai rôle dans la maladie et j'ai décidé de me concentrer dessus et c'est là où j'en suis aujourd'hui de mes recherches. J'ai développé des molécules qui neutralisent l'hepcidine et l'empêchent de réguler le fer. Je les ai testées tout d'abord sur des cellules de peau normales qui produisent l'hepcidine en quantité normale. Et bonne nouvelle, j'ai trouvé trois molécules qui la neutralisent et qui pourraient potentiellement traiter la maladie. Je vais donc les tester maintenant chez des souris psoriasiques en espérant de trouver un traitement qui permettra aux malades de retrouver une peau saine et en pleine forme. Tu étais large, vraiment large. Ça fait du bien, hein, quand dans les répétitions, ça ne rentre pas dans les 3 minutes et que le jour J, ça rentre. C'est parfait. Notre deuxième candidate, Esther Boissin. Esther. Dans quel état tu te retrouves là? Stressée. Légèrement, légèrement. Tout légèrement, mais il n'y a pas de raison, puisque je vous garantis que l'après-midi a été... Ah ben il y a des supporters. Oui, merci. Vous êtes les meilleurs. Tu es plusieurs? Il y a Iris qui est venue avec moi. On a toute une équipe pour deux. Okay. Alors, sous la direction de Wim Denez et Serge Caparros, Esther va nous parler de l'intuition. Et son sujet de thèse, c'est de débiaiser l'intuition et promouvoir la logique dans les populations adultes et adolescentes. Top. Moi, j'ai une voisine qui s'appelle Greta. Et il s'avère que Greta est végane, qu'elle tricote et qu'elle fait son propre compost. Selon vous, est-ce qu'il est plus probable que Greta soit banquière ou qu'elle soit banquière et écolo? Là, tout de suite, 80% d'entre vous vont me dire qu'il est plus probable que Greta soit banquière et écolo. Vous allez même me dire, Esther, c'est super facile, voire logique. Pas du tout. En fait, il est plus probable que Greta soit simplement banquière plutôt qu'elle soit banquière et, en plus de cela, écolo. Si vous vous êtes trompé, c'est parce que vous utilisez votre intuition non logique. Cette intuition non logique, on l'appelle en psychologie cognitive intuition heuristique. Elle est le résultat de ce que nous avons appris à partir de notre expérience de vie et notre vécu construit nos croyances personnelles qui bien souvent sont très éloignées de la logique. C'est le cas par exemple de la croyance qui dit « tous les véganes sont écolos ». Il y a aussi des personnes qui sont véganes mais pas écolos. Prenez par exemple ma voisine Greta. Elle ne mange absolument aucun produit d'origine animale et pourtant, elle conduit bien un gros 4x4 diesel. Alors je vous rassure tout de suite, toutes nos intuitions ne nous mènent pas en bateau. Certaines peuvent être logiques. En fait, quand vous raisonnez ou prenez une décision, votre esprit est un champ de bataille féroce. Sur ce champ de bataille, deux intuitions s'affrontent. Une intuition heuristique, basée sur des raccourcis de la pensée, tels que « vegan est égal écolo »,
et une intuition logique qui, elle, s'appuie sur des règles logiques et mathématiques apprises à l'école. Si vos deux intuitions se battent, c'est parce qu'il n'y a de place que pour une seule. L'intuition qui sera la plus forte sera celle que vous donnerez comme réponse. Sauf que, malheureusement, c'est souvent l'intuition heuristique non logique qui l'emporte. Alors ma thèse, elle consiste justement à renverser le cours de cette bataille en donnant plus de force à notre intuition logique. À terme, cela nous permettrait de ne plus mal juger Greta, mais aussi de prendre de meilleures décisions. Concrètement, durant ma thèse, je demande à des personnes de résoudre des problèmes tels que celui de Greta. Et puis, j'analyse leurs réponses et comme je m'y attendais, 80% d'entre eux tombent dans le panneau et donnent des réponses heuristiques non logiques. Puis, pour donner de la force à leur intuition logique, je leur explique comment résoudre les problèmes. Et là, en moins de 5 minutes, on passe alors de 80% d'individus non logiques à seulement 30. En fait, avec mes explications, j'ai réactivé les connaissances logiques et mathématiques apprises à l'école. Nos intuitions liées à ces connaissances, en fait, elles étaient déjà là. Elles étaient simplement timides et avaient besoin d'un petit coup de pouce. Puis, j'ai voulu en savoir un peu plus et j'ai demandé à ces mêmes personnes de résoudre à nouveau des problèmes, mais cette fois-ci, quelques mois plus tard. Résultat, leur intuition était toujours logique. Ce qui veut dire que mes explications étaient tenaces dans le temps. Maintenant, il me reste une question, à savoir si en moins de 3 minutes, j'ai réussi à rendre votre intuition plus logique. Voyons voir si c'est le cas avec un problème un peu différent cette fois-ci. Aujourd'hui, vous courez une course, vous faites un marathon et vous doublez la personne en seconde position. À quelle place êtes-vous ? À vos intuitions. Alors, on refait un test à la fin des présentations pour savoir s'ils ont... Est-ce que vous avez bien compris ? À quelle place êtes-vous finalement ? Deuxième, ouais, bravo. Donc on a réussi. Ça veut dire que tous les autres, ils se trouvaient à la première place. Quand exactement. Même. Vous n'êtes pas beaucoup à avoir gagné. Merci. Notre troisième candidat, Raphaël Teboul, qui a un club de supporters en haut de l'amphi. Raphaël. Premier garçon à passer ce soir. Il en faut un. Et voilà, c'est tombé sur toi. Sous la direction d'Éric Letouzé, pardon, tu travailles en recherche sur la prédiction de mutations driver de cancer avec deep learning. Avec le deep learning. Ah pardon, oui c'est moi, j'ai mal lu. Avec le deep learning, voilà. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre, on a beaucoup travaillé, il m'a surtout beaucoup expliqué. Mais je crois que c'est bon là. Je te laisse la parole. T'as compris ? J'ai compris. Cool. Top. Je vais vous confier un secret sur le cancer. On connaît encore assez mal ses origines. C'est pourquoi je cherche à développer un outil pour tenter de mieux comprendre pourquoi les cancers apparaissent. Mais pour moi, ni blouse blanche, ni tube à essai. Mon truc à moi, c'est les maths. Hein ? Quoi ? Pas de panique, je vais vous expliquer le rapport dans 30 secondes. Mais pour cela, je dois d'abord vous parler de nos cellules. Nos cellules fonctionnent toutes en suivant le même grand livre de recettes, l'ADN. C'est un livre pas très rigoureux, avec beaucoup d'erreurs, souvent sans conséquences. Mais dans de rares cas, une mutation grave donne une cellule cancéreuse. Celle-ci va transmettre sa copie imparfaite de l'ADN à ses enfants, qui vont se multiplier jusqu'à former un cancer. Le problème, c'est que ces cas rares à l'origine de cellules cancéreuses, on les connaît très mal. Alors, pour les étudier, j'ai créé deux intelligences artificielles qui vont travailler ensemble, Sherlock et Watson. Une intelligence artificielle, de vous à moi, c'est un mot sympa pour décrire une liste de calculs mathématiques très longs qu'on demande à un ordinateur de réaliser parce que ce serait beaucoup trop long à la main sinon. Sherlock a pour objectif d'apprendre à produire des contrefaçons de cellules cancéreuses. Pas des copies, non. Des contrefaçons de cellules cancéreuses pas encore observées, mais qui pourrait théoriquement exister. Comme ça, il aura appris implicitement comment les cancers apparaissent, et à ce niveau-là, j'aurai une machine à fabriquer des cellules cancéreuses, et en faisant varier les différents paramètres et en analysant les cellules produites, je pourrai en apprendre énormément sur leurs origines et leur fonctionnement. Mais en pratique, voici comment on fabrique des contrefaçons de cellules cancéreuses. Sherlock produit, et Watson assure le contrôle qualité. Et oui, que serait Sherlock sans ce bon docteur Watson, n'est-ce pas ? Sherlock, au départ, je lui ai donné accès à toute une
base de données de cellules cancéreuses modélisées sur ordinateur. Il se fonde dessus pour réaliser un premier essai, puis cache sa contrefaçon parmi les cellules cancéreuses réelles. Watson récupère la base de données dans laquelle est cachée la contrefaçon et doit trouver l'intrus. Au premier essai, il trouve tout de suite, les différences avec les vraies cellules sont évidentes. Mais pour que Sherlock améliore sa contrefaçon, Watson va tout de suite lui faire un retour sur les défauts de son œuvre. Sherlock va alors tenter un deuxième essai qui sera un peu meilleur que le précédent, mais pas encore parfait. Watson, de nouveau, va lui donner des indications supplémentaires pour un troisième essai. Et la boucle se poursuit pendant quelques 10 000 essais, quand enfin le miracle a lieu. Watson ne sait plus différencier les contrefaçons des vraies cellules. Sherlock sait fabriquer des cellules cancéreuses. Et j'utilise ce savoir-faire pour en apprendre davantage sur l'apparition des cancers, en créant une cartographie des cellules cancéreuses connues, mais aussi de celles qui sont possibles. Pour combattre ton ennemi, apprends d'abord à le connaître. Et j'espère qu'un jour, quelqu'un, quelque part, pourra enfin s'écrier « La solution au cancer, c'est élémentaire ». C'est quoi sur la banderole ? Go ? C'est marqué Go Rafou. Ah, Rafou, voilà le petit nom de labo. C'est ça. Ça pose son homme. Ils m'ont inscrit, ils sont venus supporter. Ben, ils ont raison. C'est parfait. Merci. Merci. Alors, comme ils sont trépignés, ils sont debout avant que je les appelle. Emmanuel Rota Graziosi. Alors, après ces trois premiers candidats, comment tu sens l'affaire pour toi ? La pression. La pression ? Mais je ne vois pas pourquoi ils se mettent la pression alors que tout le monde est content d'être là. Mais... Alors, Emmanuel, sous la direction de Sabine François, travaille à la caractérisation des mécanismes impliqués dans le développement des lésions musculaires après exposition au rayonnement ionisant et mise en place de contre-mesures. Va tout vous expliquer. Est-ce que vous connaissez le point commun entre une radiographie, le soleil et ça ? Les rayonnements émis, la radioactivité quoi. Dans notre quotidien, nous sommes en contact permanent avec cette radioactivité. Elle peut être d'origine naturelle, comme celle émise par le soleil, ou artificielle, comme quand vous passez une radio à l'hôpital. Ces rayonnements du quotidien sont bien gérés par notre corps. Ça devient problématique en cas d'accident ou d'explosion nucléaire. Dans ces cas-là, les rayonnements traversent et endommagent tout ce qu'ils rencontrent. La peau, la graisse, les vaisseaux, les muscles, jusqu'à l'os. Dans ma thèse, ce qui m'intéresse, c'est la réaction des muscles à ces rayonnements. Les muscles sont constitués de fibres musculaires. Ce sont des sortes de tubes qui vont d'un bout à l'autre du muscle et qui se rapetissent pour créer la contraction. Vous voyez ce beau biceps ? Et dans les muscles, comme au foot, il y a une équipe de réserve. Ce sont des cellules remplaçantes qui restent sur le banc et se réveillent en cas de blessure de fibre. À ce moment-là, elles se multiplient, s'alignent, fusionnent pour créer une nouvelle fibre et remplacer l'ancienne blessée. Les rayonnements, quand ils traversent le muscle, non seulement ils blessent les fibres musculaires, mais ils mettent aussi un sacré coup à l'équipe de réserve. Or, si on n'a plus de cellules de réserve, on ne peut plus remplacer les fibres blessées et on perd le match. Alors, au début de ma thèse, je me suis demandé, mais comment aider ces cellules de réserve à récupérer après irradiation ? Pour l'étudier, au laboratoire, j'extrais des cellules de réserve du muscle de souris. Je les irradie et j'étudie l'impact de l'irradiation sur leur capacité à se multiplier, s'aligner et fusionner pour créer de nouvelles fibres. J'ai observé qu'après irradiation, de nombreuses cellules de réserve meurent, mais surtout, les survivantes sont trop fatiguées. Donc au moment de fusionner, elles forment des fibres toutes rabougries, pas très efficaces sur le terrain. Alors, que faire ? Et s'il suffisait de leur donner du temps pour récupérer avant de fusionner ? C'est ce que je teste. Au labo, après irradiation, j'envoie un premier message chimique aux cellules de réserve pour leur dire « Ne fusionnez pas !» Prenez le temps de récupérer et de vous multiplier. Et quand je les trouve assez nombreuses et assez en forme, j'envoie un deuxième message pour leur dire « C'est bon, allez-y, fusionnez !» Et vous savez quoi ?
Ça marche. Dans le tube à essai, je vois plein de fibres musculaires en bon état se former, prêtes pour gagner le match. Bon, après, c'est sympa, ça marche bien dans un tube à essai, mais il faut voir ce que ça donne sur un vrai muscle. Et c'est ce que je vais faire. Je vais tester ces molécules en conditions réelles sur des muscles de souris irradiés. Et si ça marche, on pourrait imaginer un traitement pour que nos muscles gagnent le match contre la radioactivité. Alors vous avez remarqué, ils rentrent tous dans les 3 minutes sans problème. Alors que jusqu'à la semaine dernière, ça passait pas. Ça va mieux ? Ça va mieux là. Ça va beaucoup mieux. Hein ? Alors, notre quatrième candidate, Iris Menu. Il y a un gros club de fans. Iris, sous la direction d'Arnaud Cachia, tu travailles sur les biomarqueurs en imagerie des apprentissages scolaires. Ma thèse, avant de vous la présenter, vous allez y participer. Je vais vous demander de me dire, à voix haute, quelle est la couleur de l'encre des mots affichés. Je commence pour la première ligne. Jaune, rouge, à vous. Pas facile, hein ? Vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes tellement des experts en lecture que cette lecture, elle est devenue automatique, réflexe. Et ça devient compliqué de la bloquer, de l'inhiber. J'aurais demandé la même chose à des enfants de 4 ans qui n'ont pas encore appris à lire. Pour eux, ça aurait été super facile. L'inhibition, c'est donc ce mécanisme qui nous permet de résister à nos automatismes, ici la lecture, et c'est super important pour plein de choses, notamment pour les apprentissages scolaires. Par exemple, à l'école, quand on apprend les accords, pour écrire correctement « je les mange », il faut pouvoir inhiber la règle apprise après l'article « les », je mets un « s ». Et la région de notre cerveau qui gère cette inhibition, c'est la région préfrontale, à l'avant du front. Et c'est la dernière région de notre cerveau à se développer. Elle ne devient totalement mature qu'à 25 ans. Par contre, vous avez d'autres régions, comme la région qui gère les émotions, qui se développent beaucoup plus tôt. Et à l'adolescence, vous avez donc la région des émotions qui est déjà bien développée et la région d'inhibition qui commence à peine à maturer. Ce décalage de maturation a permis d'expliquer certains comportements passionnés qu'on peut observer à cette période. Mais donc, comme il y a un décalage entre le moment où l'inhibition est importante à l'école et le moment où la région préfrontale qui gère cette inhibition mature, je me suis demandé est-ce qu'il serait possible d'entraîner, de booster cette inhibition. Et pour tester ça, j'ai demandé à des enfants et des adolescents de participer à une expérience. Lors d'une première séance, je leur ai fait passer différents tests, dont le test des couleurs, pour regarder leur capacité initiale à résister à leurs automatismes. Avec une IRM, j'ai aussi regardé à quel stade de maturation était leur fameuse région préfrontale, en mesurant son volume de matière grise. Après, je leur ai passé des tablettes, et ils avaient alors pour mission de s'entraîner 15 minutes par jour pendant 5 semaines à la maison. La moitié d'entre eux avaient un entraînement avec des jeux comme le jeu des couleurs, pour apprendre à inhiber. L'autre moitié suivait un entraînement contrôle avec des questions de culture générale. Après ces 5 semaines d'entraînement, je les ai revus et je leur ai fait passer les mêmes tests qu'au départ et j'ai de nouveau regardé leur cerveau avec l'IRM. Et là, j'ai vu que l'entraînement avait marché. Mais certains en profitent plus que d'autres. Notamment, ceux qui avaient le plus de difficultés au départ sont ceux qui ont le plus progressé. Ils ont compensé leur retard. En plus, l'entraînement a permis d'accélérer la maturation cérébrale. Alors, pas question ici de faire de nous des super machines à inhiber avec un cortex préfrontal surdéveloppé, mais bien de comprendre ce lien entre cerveau et apprentissage pour par la suite proposer des enseignements comme celui de l'orthographe, plus adaptés au développement de l'enfant. Encore un peu, tu pouvais faire 2 présentations en 3 minutes. Alors, comme prévu, le test était une vraie cacophonie. On s'y attendait un petit peu. Et on l'espérait même un peu, en fait. Voilà. Ça, tu es contente ? Oui. Tu es contente d'avoir fait ma thèse en 180 secondes ? Oui, quand même. Ah, quand même ! Un petit bémol. On va en parler un peu après. Merci. Mathieu Bastide.
Alors Mathieu, oui, Saint-Pré. Bonjour. Mathieu, sous la direction de Jean-Christophe Lacroix, travaille sur les jonctions moléculaires plasmoniques. Je vous laisse l'écouter. C'est pas... Dans la main, ou dans la poche, on a tous un téléphone. Mais est-ce que vous savez vraiment comment il marche? Si la batterie en est le cœur, le processeur en est le cerveau. À la manière du cerveau humain, il est composé de millions de connexions. Un peu comme les neurones, ils répètent et transmettent l'information. Le but de ma thèse, c'est de trouver les meilleures méthodes et les meilleurs matériaux pour fabriquer ces connexions. Pour commencer, je vais vous emmener dans le monde de l'infiniment petit. L'atome, d'environ un dixième de nanomètre, soit 100 000 fois plus petit qu'un cheveu, est la brique de base de l'univers. L'atome est composé, un peu comme une pile, d'un noyau chargé positivement et d'électrons chargés négativement, ils mettent leur temps à lui tourner autour. Parfois, les atomes veulent se débarrasser de ces électrons et parfois, ils veulent en récupérer. Les atomes vont alors d'un homme à un autre se regrouper pour former une molécule. Ces dernières années, les molécules sont de plus en plus utilisées pour remplacer les éléments métalliques des appareils électroniques. Les molécules présentent plusieurs avantages. Elles sont plus écolo et permettent de réduire la taille de ces composants. Et c'est là le cœur de mes recherches, réaliser le plus petit fil électrique. Pour ça, je vais commencer par réaliser des petites boules d'or, environ 1000 fois plus petites qu'un cheveu. On les appelle les nanoparticules. Lorsqu'on illumine ces nanoparticules, les électrons vont s'agiter dans tous les sens. Ce qui va exciter la nanoparticule, il y a horreur de ça. Elle va chercher à tout prix à se débarrasser de ces électrons. Si une molécule passe à côté, la nanoparticule va lui refiler ses électrons pour s'en débarrasser. La molécule va alors se lier à la nanoparticule, et si une deuxième nanoparticule se trouve à côté, la molécule va également s'y lier pour former une connexion. Un peu comme un fil électrique dans un téléphone. Moi, j'ai essayé de nombreuses molécules et de nombreux paramètres de réaction, comme le temps, la forme des nanoparticules ou la puissance de la lumière utilisée. Et j'en ai trouvé une marche. Par exemple, une molécule qui s'appelle, attention, le bisthénylbenzène. Les molécules, elles permettent de traduire une information, comme un son ou une image dans le téléphone, en langage informatique. Il y a encore beaucoup de molécules à étudier pour améliorer les connexions que je crée. Avouez, on en a marre de la page internet qui met 1000 ans à charger, ou de jeux vidéo qui plante pile au moment où on allait gagner. Alors vous pouvez compter sur moi pour résoudre ces problèmes. Bravo Mathieu. Un peu. C'est voilà. Mieux comme ça. Bravo, ça va mieux que tout à l'heure? Ouais, ça va. Tranquille. Tranquille, oui. C'est facile maintenant. Votez pour moi. Moi aussi. Bon, il fait sa pub. Voilà, on va le laisser. Désolé. Désolé. Allez, Marie, une petite page de pub. On va prendre l'air de la campagne avec Marie, qui, sous la direction de Jonathan Weizmann, travaille à l'étude des interactions hôtes pathogènes et nouvelles pistes thérapeutiques chez Telleria annulata. Top. Quand je parle de mon sujet de thèse, tout ce que l'on retient, c'est que je travaille sur le cancer de la vache. Bon, d'accord, mais pas seulement. Tout a commencé avec cette petite vache, Annabelle, qui vit dans un pays d'Asie. Un jour, alors qu'elle mange tranquillement dans un pré, elle est piquée par une tique qui va lui transmettre un parasite mortel pour elle et pour tout son troupeau. Un parasite, c'est une petite bête qui se cache souvent dans les cellules d'une plus grosse bête. Dans notre cas, le parasite transmis par la tique à Annabelle est l'astucieux Telleria annulata.
Ils capturent ou interfèrent avec le système de défense d'Annabelle pour vivre incognito dans ses cellules. Mais ce qui est particulièrement dangereux avec Telleria, c'est qu'il rend cancéreuses les cellules qu'il infecte. Le fermier est donc très inquiet pour Annabelle et son troupeau, car il sait très bien que ce parasite entraîne de dramatiques pertes animales et économiques dans son pays. Mais alors, comment sauver Annabelle ? Le vétérinaire du coin lui propose le seul traitement qui existe, qui, comme une chimio, tue toutes les cellules infectées. Malheureusement, ce traitement est de moins en moins efficace, car les parasites s'y sont habitués. C'est là qu'il se souvient d'une vieille amie française qui pourrait l'aider. Moi, puisque mon travail consiste à la fois à étudier le parasite Telleria et à trouver de nouvelles molécules pour combattre le cancer. Évidemment, j'accepte sur le champ d'aider la petite Annabelle. Je commence donc mon travail en récupérant des cellules d'Annabelle infectées par le parasite Telleria pour comprendre comment il transforme une cellule saine en cellule cancéreuse et tenter d'inverser ce processus. Je teste donc de nombreuses molécules anticancéreuses et j'observe leur effet sur le parasite et sur les cellules d'Annabelle. Après des centaines d'essais avec des centaines de molécules, Eureka ! L'une d'elles élimine les parasites sans tuer les cellules d'Annabelle, ce qui est complètement inédit. En plus, après le traitement, les cellules infectées ressemblent à nouveau à des cellules saines, c'est-à-dire non cancéreuses. Je décide donc de comprendre le fonctionnement de cette molécule prometteuse. Pour cela, je la marque avec de la couleur, puis j'active mon mode espion pour la suivre à l'intérieur de la cellule infectée d'Annabelle. Et là, c'est le choc. Le parasite capture un élément essentiel du système de défense d'Annabelle, ce qui le rend inefficace. Heureusement, la nouvelle molécule libère cet élément, ce qui permet aux cellules d'Annabelle d'enfin pouvoir se défendre contre Telleria. Mon travail aura permis à la fois de trouver un nouveau potentiel traitement contre le parasite Telleria, mais aussi d'étudier le rôle de molécules anticancéreuses lors d'une infection. J'espère que mes recherches aideront le fermier et le vétérinaire à sauver Annabelle et tout son troupeau. Et peut-être qu'un jour, comme 20% des cancers humains sont d'origine infectieuse, ces nouvelles molécules pourraient également nous aider. Alors merci Annabelle pour cette belle note d'espoir. C'est pile poil. Pile poil, il ne fallait pas rajouter quelque chose. Tout est dit, tout est dit. Alors on va se faire une petite pause quand même pour laisser infuser tout ça et pour que le jury puisse aussi reprendre son souffle, parce que c'est dur pour le jury d'évaluer tout le monde. Et donc je vais appeler Odile et Clara, les coachs de la compagnie de théâtre. Et je vais leur laisser la parole, 2 minutes, pour qu'elles vous expliquent un peu en quoi consiste le travail de préparation à cet exercice et comment elles ont... 3 minutes. Allez, 3 minutes, d'accord. Alexandre, tu vas pouvoir lancer le chrono. Oui, mais à deux voix, c'est de la triche. Ah bah, c'est un plus gros challenge. Non, avec la bonne diction, on va y arriver. C'est une histoire de... On va y arriver. Voilà. Y arriver. Elles vont vous raconter un petit peu comment ça se passe et comment elles ont vu les progrès avancer. Allez, merci. 3 minutes. C'est ça. Alors bonsoir à tous. Nous c'est Clara et Odile. On est toutes les deux comédiennes et metteurs en scène à la compagnie Les Fées d'Âmes et ça fait la troisième année qu'on travaille avec Cécile et l'université Paris Cité pour la préparation des candidats à ma thèse en 180 secondes. Et c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur, qu'on adore faire, qu'on trouve absolument passionnant. Voilà, je te laisse continuer, je passe la parole à Odile. C'est là que tout est une histoire de préparation. C'est que là, nous, on nous a eu à l'impro, mais en vrai, c'est... Oui, voilà, le travail qu'ils font est vraiment extraordinaire parce qu'ils partent de très très loin. C'est évidemment pas du tout facile de vulgariser... Attendez, vous partez de loin parce que vous faites des recherches incroyables qui ne se résument pas à 3 minutes. Et voilà, je me sauve. Non, et vraiment, donc, d'avoir à résumer tout ce que vous faites en 3 minutes, évidemment, c'est presque une mission impossible. Mais nous, on travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est la projection vocale, la diction, regarder les gens, les considérer, la position physique aussi, tout ce qu'on dégage dans le corps et que les gens lisent avant même de nous avoir entendu parler.
Et puis la respiration, et quand on ne sait pas ce qu'on doit dire, on attend, on n'a pas besoin de remplir avec des E. D'ailleurs, bravo, 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 mon Dieu, mais là, jusque-là, vraiment, vous êtes incroyables. On est très, très fiers. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On est comédienne. On peut faire de la publicité aussi, non, votez pour nous. Vraiment, vraiment bravo aux 7 candidats qui sont déjà passés. On est super fiers de vous. Le travail que vous avez fait, c'est formidable. Et on a adoré travailler avec vous. Et bravo par anticipation aux 7 candidats qui vont passer parce que vous allez être aussi formidables. Donc bravo à tous. Je crois que la meilleure manière de finir, c'est de les applaudir et de les encourager encore bien fort. Petite chanson. Non, non. Ah, une petite chorégraphie. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Non, non, pour ceux qui arrivent, alors vous restez bien concentrés. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce petit moment. Tout le monde respire, tout le monde est bien. Ça va? Vous êtes bien? Vous êtes toujours OK? Ça va, tout va bien se passer. Surtout, on reste dans les mêmes dispositions. Hein. Tout va bien. OK. Merci d'être resté et de nous avoir écoutés. Merci Odile et Clara d'être fidèles au rendez-vous chaque année. Et puis, ben, ça y est, le silence revient, tout le monde s'est concentré. Juliane ! Juliane Dagrassa, qui va nous parler d'amour multiple, qui, sous la direction d'Étienne Morel, travaille à l'implication des sites de contact associés au réticulum endoplasmique dans la régulation de l'autophagie en situation normale et cancéreuse. Voilà. Top. Vous avez entendu ? Il paraît que Simone a un nouveau petit ami. Quoi ? Vous ne connaissez pas Simone le réticulum ? Bon, laissez-moi vous raconter l'histoire. Cette histoire, elle se passe à l'intérieur de nos cellules. Notre corps en contient environ 100 000 milliards. En fait, nous sommes juste un tas géant de cellules. Dans chaque cellule, il y a notre ADN, mais il y a aussi des composants très importants qui ont tous un rôle précis. Par exemple, il y a Henri, la mitochondrie, qui produit l'énergie. Il y a Jérôme, l'endosome, qui fait le lien entre milieu interne et externe. Monique, la membrane plasmique, qui délimite la cellule. Et la fameuse Simone, le réticulum, qui constitue un lieu de stockage. Et Simone, elle adore communiquer et faire chavirer les cœurs. Nous, quand on communique, on utilise la voix, la vue, l'ouïe, le toucher. Mais dans les cellules, ce sont les molécules qui remplacent ces sens. Et grâce à ces molécules, Simone le réticulum se met en couple avec un autre habitant de la cellule et donne naissance à un nouveau composant, l'autophagosome. Et lui, c'est le Hulk vert de la cellule. Quand l'organisme n'a pas assez d'apports nutritifs, il est capable de nourrir tout le monde en recyclant les nutriments de la cellule. Mais attention, parce que si on l'énerve, il peut aussi manger les habitants qui mettent en danger l'intégrité de la cellule. On peut donc retrouver plein de petits autophagosomes Hulk à l'intérieur de chaque cellule qui veillent à la sécurité de tous. Le problème, c'est qu'ils veulent tellement bien faire qu'ils protègent même les cellules cancéreuses parce qu'ils n'arrivent pas à les différencier des cellules saines. Et donc, les traitements qui visent à tuer les cellules cancéreuses marchent moins bien. D'où l'importance d'empêcher Simone de faire ses autophagosomes dans le cadre des cancers. Bon, je pense que vous l'avez compris, moi, j'adore les commérages. Alors, pendant ma thèse, je m'amuse à regarder les différentes relations amoureuses que peut avoir Simone pour donner naissance à ses autophagosomes. Pour cela, je cultive dans des petites boîtes des cellules humaines qui se multiplient indéfiniment. Ensuite, je prends une cellule et j'ajoute des couleurs à chacun des composants. Par exemple, Simone le réticulum en bleu et Jérôme l'endosome en jaune. Et grâce à un microscope, je peux suivre la vie de mes habitants. Bon, je ne vois pas réellement de baiser langoureux. Mais je me suis aperçue que les deux couleurs associées à Simone et Jérôme pouvaient se mélanger et donner naissance à du vert, la couleur de Hulk, l'autophagosome. Mais maintenant, il me faut plus d'informations sur ce couple pour savoir comment ils fonctionnent et comment ils arrivent à communiquer. J'essaye donc d'identifier quelles sont les molécules qui permettent de créer le contact physique. Bon, d'accord, je m'immisce peut-être un peu trop dans leur vie privée. Mais en étudiant comment les habitants de la cellule communiquent, d'autres chercheurs pourront plus tard cibler les molécules que j'aurai identifiées pour empêcher la naissance de Hulk l'autophagosome et permettre de mieux tuer les cellules cancéreuses.
J'en ai peut-être un peu trop dit. Bon, je vous fais confiance pour garder le secret. Nejma sera sûrement sensible, on a un reporter de Paris Match. Tout dévoiler sur la vie des stars, c'est compliqué, hein? Oui, c'est sûr. T'as pas peur de faire attaquer? Non, ça va. On leur dira rien. Hein. C'est promis. Alors, on va accueillir Hachem Douib. Hachem va nous faire un peu voyager, un petit peu loin. Et on va se laisser transporter, puisqu'il travaille sous la direction de Stéphane Matisse à la dissipation de marées et sismologie des planètes géantes et des étoiles à l'heure des missions spatiales. Hachem, c'est à toi. Top. Si dans une nuit sans nuages, vous levez vos yeux vers le ciel, vous pouvez admirer un magnifique paysage composé de plusieurs points brillants, un peu différents les uns des autres. Si vous voulez vous en rapprocher, vous utiliserez un télescope et là vous arriverez à les voir de manière plus nette. Et que verrez-vous? Les briques élémentaires de notre univers, l'usine de tous les éléments chimiques, les étoiles, qui sont des boules de gaz extrêmement chaudes comme notre Soleil. Mais si vous voulez vous en rapprocher encore, si vous voulez savoir comment ces astres sont faits, alors là je vous invite dans mon univers, l'astrophysique. C'est un vaste domaine qui, comme son nom l'indique, étudie les astres. Parmi tous ces astres, j'ai choisi de m'intéresser aux étoiles lointaines, qu'on peut observer seulement à leur surface. Mais pour les comprendre, il faut explorer leur intérieur. Comment? En fait, c'est une tâche délicate, mais on sait très bien la faire pour la Terre. Oui, oui, grâce à l'étude des vibrations que l'on ressent lors des tremblements de Terre, les fameuses ondes sismiques. En analysant la façon dont ces ondes se propagent à l'intérieur de notre planète, on arrive à comprendre sa structure interne sans jamais la voir directement. Eh bien, pour les étoiles qui m'intéressent, c'est pareil. Ces boules de gaz se répartissent en deux zones. Une zone où les particules de gaz sont fortement agitées, un peu comme une géante marmite bouillonnante. Une zone beaucoup moins agitée, presque calme, une zone stable. À l'interface entre ces deux zones, les particules très agitées vont venir taper les particules calmes. Ceci va donner naissance à des millions de petites perturbations. Et qui dit perturbation, dit battement, et donc ondes. Ces ondes vont se propager dans toute l'étoile, de son cœur jusqu'à sa surface. En arrivant à la surface, ces ondes provoquent des variations de luminosité de l'étoile qu'on peut observer avec des télescopes adaptés. Ces variations de luminosité reflètent ce qui se passe à l'intérieur. En les analysant, je remonte le fil de l'histoire de ces ondes et j'arrive à retracer leur trajet dans toute l'étoile. Comment je fais ça? Eh bien, je combine les mathématiques, la physique et l'informatique pour construire un modèle informatique qui simule le trajet parcouru par l'onde. Ce modèle me permet de simuler des millions de possibilités de parcours et donc des millions de possibilités de structures internes d'étoiles. Quand l'une de ces possibilités correspond aux observations, je peux dire de quoi et comment est constituée la vraie étoile. Plus précisément, mon modèle me permet de mieux comprendre la rotation des étoiles et de détecter la présence des champs magnétiques cachés dans leur intérieur. Donc avec cette compréhension des battements de cœur des étoiles, j'ouvre une nouvelle fenêtre sur notre univers qui nous permet d'accéder à l'inaccessible. Merci. Il restait un petit peu de temps. Ouais. Finalement, un petit voyage en moins de 3 minutes, un peu loin. Ça, c'est possible, grâce à HM. Ouais. Ça va mieux? Oui. Oui. Là, maintenant, tu vas profiter. Oui. Voilà. Merci. Alors, vous l'avez remarqué, c'est très, très varié les sujets. Et même quand c'est dans un même champ disciplinaire, ça n'a strictement rien à voir. Alors, ils se comprennent entre eux. Hein, mais que ce soit Samia, Clara ou Dino, moi, à chaque fois, on tombe de notre chaise et puis on s'accroche pour essayer de les aider au mieux. Et maintenant, on va accueillir Pauline, qui va nous ramener en biologie.
Alors Pauline, elle est doublement méritante ce soir parce que la pauvre, elle a eu un accident de vélo hier soir, elle a passé la nuit aux urgences et elle veut quand même, et elle a bien raison, prendre part à la fête, ma thèse en 180 secondes. Bah, on va voir ce que ça donne, au pire j'aurai une excuse. Hein. Voilà. Alors Pauline, sous la direction d'Hervé Petit et Esther Potier, tu travailles au développement d'un composite capable d'augmenter la survie et la fonctionnalité des cellules stromales mésenchymateuses, je ne me suis pas plantée, transplantées dans un grand défaut osseux. C'est ça. C'est ça. À toi. Top. Je travaille sur la réparation des fractures. Alors je me disais, tu mets un plâtre, t'attends un peu, et voilà, c'est réglé, des vacances ta thèse. Sauf que dans 5 à 10% des cas, les fractures vont avoir besoin d'une aide supplémentaire pour se réparer. Et devinez quoi, c'est précisément sur celle-là que je travaille. J'essaye de les réparer avec des cellules stromales mésenchymateuses. Mais vu que j'ai que 180 secondes, ces cellules, on va les appeler des MSC. Les MSC, on en a tous dans le corps. Ce sont des cellules qui peuvent se transformer en différents types de cellules qui feront soit du cartilage, soit du muscle, soit de l'os. Et oui, coincé dans vos os, il y a des cellules. Et ces cellules, pour pouvoir survivre, vont avoir besoin de nourriture. Elle leur est apportée par les vaisseaux sanguins. L'ennui, c'est qu'au milieu des fractures, l'os et les vaisseaux sanguins sont cassés. Donc pas de nourriture. J'aurais beau utiliser autant de MSC que possible, des MSC à la diète, bah, ça meurt. Et donc ça permet pas de réparer les fractures. Je dois trouver un moyen de faire survivre des MSC dans ces conditions peu hospitalières. Pour ça, je leur ai organisé une croisière, mais cette fois je vais essayer d'éviter la version Titanic. La première chose que j'ai faite, c'était de leur construire un bateau. Mais oubliez le paquebot 5 étoiles. Mon système pour faire voyager mes MSC, c'est un hydrogel. Une sorte de filet qui va me permettre de les placer au cœur des fractures. Après le bateau, le menu, il fallait que l'ensemble de ma nourriture puisse rentrer dans mon filet. Par chance, mes MSC sont capables de survivre avec uniquement du glucose. Du sucre, quoi. Au labo, j'ai donc mesuré la quantité de glucose que mes MSC consomment. Sauf que le glucose est une toute petite molécule qui fuyait à travers les mailles de mon filet. Pour limiter ça, j'utilise des glucoses attachées les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle un polymère de glucose. Voyez un peu ça comme un chapelet de saucisse cocktail. L'ennui, c'est que mes cellules ne reconnaissaient plus ça comme de la nourriture. Il allait falloir leur préparer. Pour ça, j'ai rajouté dans mon filet des amyloglucosidases. Une sorte de brigade de mini-cuistots spécialisés qui va couper les liens qui relient les glucoses entre eux. Ils vont couper, couper, couper sans jamais s'arrêter. Mes MSC assistaient à un buffet démesuré, tout ce qu'elles n'étaient pas capables de manger fuyait, et elle se retrouvait à mourir de faim en seulement quelques jours. Pour limiter ça, j'essaye d'enfermer mes mini-cuistots dans des capsules qui s'ouvriront les unes après les autres. Cela permettra de ralentir la découpe de mon polymère en glucose, et donc de nourrir mes MSC plus longtemps. Vivantes, elles pourront envoyer des signaux qui permettront de faire repousser les vaisseaux sanguins vers elles, et si elles ont envie de s'installer définitivement au milieu de ces fractures, elles se mettront peut-être à faire de l'os et diront à leurs copines de faire pareil. Alors, la prochaine fois que vous recevrez un spam de MSC Croisière, dites-vous qu'il y a peut-être une doctorante en reconversion derrière tout ça. L'exercice était compliqué avec les points de suture. C'est ça, c'est la baffe qu'il ne fallait pas laisser tomber, mais sinon ça va. Après le glamour de Paris Match, Pauline. Bah, bravo Pauline, merci. On va accueillir Rouba Madani. Alors Rouba, sous la direction de Pascal Maire, Rouba travaille sur le rôle de LRRFIP2, certains connaissent sûrement, dans les cellules souches musculaires au cours de la régénération musculaire chez les souris. Savez-vous ce qui se passe quand un muscle se blesse? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Mais tout d'abord, imaginez-vous que notre corps comporte 647 muscles. C'est énorme. Ils sont divisés en deux grands groupes.
ceux qui se contractent involontairement, comme le cœur, et ceux qui se contractent volontairement, comme les muscles de vos jambes, et qui sont ceux auxquels je m'intéresse. Vous voyez, ces muscles sont formés de fibres assez longues et particulières, car chacune est une cellule musculaire, qui est le résultat de la fusion de plusieurs petites cellules souches musculaires. Sur ces fibres reposent des cellules souches musculaires non fusionnées en sommeil, un peu comme une réserve de cellules qui attend l'ordre de se mettre à travailler pour se réveiller. Et leur travail est précis, réparer le muscle quand il s'abîme. Allez, je vous explique tout ça. Dès qu'il y a une blessure ou déchirure, un système d'alarme se déclenche dans le muscle. Au secours, aidez-moi à me réparer. Les cellules souches musculaires se réveillent alors. Si c'est une petite blessure, elles fusionnent simplement avec la fibre abîmée pour la réparer. Et si c'est une grosse blessure, l'inflammation, qui est la réaction de défense du corps, est mise en place pour nettoyer la zone abîmée et laisser les cellules souches musculaires réveillées fusionner entre elles pour refaire de nouvelles fibres. Je m'intéresse particulièrement à la réparation du muscle. Je suis alors allée voir ça de plus près dans les noyaux des cellules souches musculaires, au niveau d'un bout d'ADN appelé le gène alpha, très présent dans le muscle, sauf qu'on ne sait pas vraiment quel est son rôle. Du coup, je me suis demandé si alpha serait impliqué dans la réparation du muscle. Pour ça, j'utilise des souris en bonne santé, dont pour un lot, je donne une substance chimique qui va, comme une paire de ciseaux, enlever le gène alpha des cellules souches musculaires. Puis, aux deux lots de souris, je fais une petite blessure au muscle de la jambe et je regarde comment ça se répare. Ce que j'observe, c'est que chez les souris qui n'ont plus le gène alpha, les cellules musculaires se réveillent très très vite et commencent à réparer le muscle plus vite que chez les souris qui ont toujours ce gène. J'ai alors compris que le rôle du gène alpha était de surveiller le réveil des cellules souches musculaires quand le muscle en a besoin. Tout ça vous paraît peut-être très fondamental, mais en regardant de plus près, on s'est dit, tiens, dans la myopathie de Duchenne, c'est un peu la même chose, sauf que les muscles sont constamment blessés, les cellules souches musculaires sont constamment sollicitées et l'inflammation ne s'arrête jamais. J'ai donc voulu savoir le rôle du gène alpha dans la maladie de Duchenne. Donc j'ai refait les mêmes expériences, mais cette fois avec des souris qui ont cette maladie. Il s'avère alors que l'inflammation est encore plus forte dans le muscle quand le gène alpha est absent que quand il est présent. J'ai donc compris que le gène alpha était important pour que le système ne s'emballe pas et que l'inflammation ne parte dans tous les sens. Si nos muscles ressemblent à des machines qui s'auto-réparent, ils peuvent quand même tomber en panne. Alors connaissons-les mieux pour pouvoir, dans ce cas-là, leur donner un petit coup de pouce qui les remettra en marche. Rouba, c'est dommage, hein, tu vas profiter des trois dernières présentations ? Maintenant que tu es beaucoup plus détendu. Voilà, et oui. Alors Julien Marquereau va nous rejoindre. Et tu vas aussi nous faire faire un petit voyage lointain. Dans l'infiniment grand. Dans l'infiniment grand. Puisque tu travailles sous la direction de Sylvain Chatty à l'étude de l'évolution des systèmes binaires massifs et l'impact des paramètres évolutifs sur la formation des binaires d'objets compacts. Qui peut répéter le titre ? Top. Oh mon amour, ma vie. Non, tu n'es plus ma vie, tu es mon amour. Dans la mort. Est-ce qu'il existe plus romantique que l'histoire de Roméo et Juliette ? Eh bien, Shakespeare n'a même pas le quart du romantisme des étoiles. Ces énormes boules de gaz chaudes qui brillent au firmament du ciel nocturne et servent de toile de fond à nombre de romances. Déjà, la plupart des étoiles vivent en couple. Et le plus beau, c'est que, en mourant, certaines vont rester unies à jamais. Pour moi, les plus romantiques de toutes sont les étoiles massives. Une étoile massive, c'est une étoile qui fait plusieurs dizaines de fois le poids de notre Soleil. À sa mort, elle explose, et une partie de sa matière se concentre, formant un cadavre très petit, mais extrêmement lourd. Un trou noir. Quand deux étoiles massives vivent ensemble, elles se tournent autour durant leur vie commune, puis elles meurent l'une après l'autre. Chacune, à sa mort, peut mettre en péril l'éternalité du couple, car l'explosion de l'une risque d'éjecter l'autre. Le couple ne restera lié que si les deux trous noirs restants finissent assez proches. Leur amour aura donc lui aussi vaincu la mort, comme pour nos deux amants de Vérone. Mais l'apothéose du couple arrivera encore plus tard. En se tournant autour, les deux trous noirs vont se rapprocher peu à peu et finir par fusionner, témoignage de leurs sentiments réciproques. Cet ultime acte d'amour est si intense qu'il en fait trembler l'univers tout entier.
littéralement, des ondes gravitationnelles vont naître de cette fusion et comme les vagues sur l'océan vont se propager dans tout l'univers jusqu'à la Terre où l'on pourra les détecter. Dans ma thèse, je pars à la recherche de ces couples mythiques d'étoiles. Un couple d'étoiles, c'est comme un couple classique. Ça interagit, ça s'éloigne, ça se rapproche. Il y a des rapports de force déséquilibrés. Or, étudier un couple d'étoiles, ce n'est pas facile. Je n'ai pas le temps pour les voir évoluer sur des millions d'années. Ma thèse ne dure que 3 ans. Alors je les simule par ordinateur, je crée des couples, pleins, tous différents les uns des autres. Je joue avec les paramètres qui vont avoir un impact sur leurs rapports et leurs interactions, puis je les fais évoluer en accélérant le temps. Je fais s'écouler des milliers d'années en une fraction de seconde et je regarde si le temps a raison de leur amour. Je ne garde que les couples qui vont pouvoir fusionner. Cela me permet de comprendre quels paramètres jouent un rôle dans leur évolution. Ce que je veux, c'est comprendre la dynamique de ces couples pour pouvoir les repérer dans le ciel. Si je pointe mon télescope vers des couples d'étoiles qui ont des paramètres proches des de mes simulations que j'ai gardées, je saurai que j'ai affaire à un couple d'étoiles pouvant fusionner. J'aurai donc une meilleure connaissance de l'origine des ondes gravitationnelles. Alors c'est bien joli, mais à quoi ça sert? Eh bien, les ondes gravitationnelles sont comme la lumière, ce sont des ondes. Jusqu'à présent, les physiciens ont étudié l'univers grâce à la lumière qu'il émet, mais celle-ci a ses limites. Ils comptent donc sur les ondes gravitationnelles pour les aider à mieux comprendre cet univers dans lequel nous vivons et qui nous dépasse, et ainsi créer la physique de demain. Mais après tout, n'est-ce pas cela la force de l'amour? Transcender l'essence de l'homme, et ce, même pour les physiciens? Pardon. Une jolie petite pirouette, mais personne ne s'est rendu compte de rien. C'est pour ça que j'en parle un petit peu. Hein? C'est passé complètement inaperçu. Voilà. Mais ça se passe bien quand même. Oui, ça fait du bien que ça se finisse. Voilà, ça va mieux. Ben, ça ira encore mieux tout à l'heure quand on ira boire une petite coupette. Notre avant-dernière candidate, Juliette Millet. Il y a des supporters, hein. Il y a des supporters aussi sur YouTube, qui est des messages d'encouragement. Go Juliette, bravo Rafou. Voilà. Alors Juliette, sous la direction de Johanna Chitoran et Ewan Dunbar, tu travailles sur les modèles pour la perception des langues étrangères. On va te suivre dans ton histoire. À votre avis, quelle est l'activité principale des bébés? Baver? Non, c'est apprendre. Apprendre à ramper, marcher, mais surtout à comprendre ce qu'on leur dit. Pour ça, très tôt, le cerveau des bébés se spécialise pour leur langue natale. Il s'améliore pour distinguer les sons qui la composent, ses voyelles, ses consonnes, mais devient moins sensible à certains sons étrangers. Prenons un bébé francophone, Gérard. Petit bond dans le futur, Gérard, maintenant adulte, décide d'aller refaire sa vie au Vietnam et d'apprendre le vietnamien. Et là, c'est le drame. Comme beaucoup de Français, Gérard confond certains sons vietnamiens. Il se sent perdu, comme un Italien qui débarque en France et qui n'arrive pas à distinguer le U du O. Il est perdu, pardon! Mais pourquoi? Eh bien, son cerveau, en se spécialisant toute sa vie pour le français, a perdu sa capacité à percevoir certains sons vietnamiens. Moi, j'aimerais prédire les difficultés de Gérard, peu importe la langue qu'il veut apprendre, pour aider ses profs de langue, en leur disant sur quels sons étrangers se concentrer pendant l'apprentissage. Pour ça, je pourrais demander à plein de Français s'ils arrivent à distinguer tel son ou tel autre dans toutes les langues possibles, mais des milliers de langues dans le monde versus 3 ans de thèse, non. C'est là que Siri ou Google Assistant, qui sont dans vos téléphones, interviennent. Quand je parle à Siri, elle enregistre ma voix, la convertit en séquence de chiffres et en fait une transcription écrite. C'est ce qu'on appelle un modèle de reconnaissance automatique de la parole. Siri a l'air de faire à peu près la même chose que nous quand on perçoit de la parole. Pourquoi ne pas l'utiliser pour prédire les difficultés de Gérard de façon automatique ? Alors, je ne peux pas demander à Siri « Ce son là et ce son là, tu penses quoi? C'est difficile ou pas ?» Mais je peux lui envoyer 2 sons, « pero » et « pejo » par exemple, pour qu'elle les convertisse en séquences de chiffres. Si les séquences de « pero » et « pejo » sont similaires, c'est que Siri estime que « re » et « re » sont difficiles à distinguer. Sinon, c'est que ce sera facile. Ok, mais Siri, c'est un modèle parmi d'autres. Moi, je veux trouver le meilleur modèle pour faire ces prédictions.
Pour ça, pendant ma thèse, je vais tester des Français, en leur demandant s'ils arrivent à distinguer notre perro et perro, par exemple. Je vais aussi tester plusieurs cousins français de Syrie. Je vais ensuite comparer modèle et humain, et j'utiliserai le modèle qui colle le plus aux humains pour aider les profs de Gérard. Mais ma thèse n'est pas que les profs. Les modèles comme Siri ne sont pas aussi bons que les humains pour comprendre ce qu'on dit. Les comparer à nous permet de savoir quoi faire pour les améliorer et les rendre plus humains. Ainsi, Siri aidera peut-être Gérard à améliorer son vietnamien et Gérard l'aidera, elle, à devenir plus humaine. Merci Emma. Tu as réussi à convaincre un certain nombre de personnes de se mettre au vietnamien. J'en suis sûre. Ouais. Ouais, c'est... On revient l'année prochaine, on fait un test. Ouais, on fera le test. Avec un nouveau modèle. Okay. Je reprends le micro. Et voilà, notre dernière candidate de la soirée, Emma Kozial. C'est pas facile non plus de finir une série de présentations, parce que la pauvre a stressé pendant les 13 précédentes présentations. Elle n'a pas franchement profité. Tu te feras un replay. Je les connaissais, c'est pas grave. Voilà. Alors Emma travaille sous la direction de Mariam Merpour et Ahmed Amaï sur un phénomène de ferroptose, une mort cellulaire pour cibler les cellules cancéreuses résistantes mammaires. Ouais. À toi. Depuis toute petite, je rêve de devenir jardinière. Mais en grandissant, avoir les mains pleines de terre, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Quoique, en y réfléchissant, notre organisme, c'est un immense potager. On y trouve des légumes qui, comme les cellules qui nous composent, se multiplient à un certain rythme. Et puis, parfois apparaît une mauvaise herbe, la cellule cancéreuse, qui se multiplie de façon trop rapide et forme une tumeur. Et cette tumeur risque d'envahir la poitrine d'une femme sur 8. Traiter un cancer du sein, c'est comme venir à bout de mauvaises herbes. On commence par en arracher à la main, la chirurgie, puis on asperge d'un pesticide, la chimiothérapie. Grâce à ça, la plupart des mauvaises herbes meurent. Mais parfois, quelques résistantes vont tenir bon. Elles se multiplient et reforment une tumeur. Mais comment réussir à se débarrasser de ces cellules cancéreuses résistantes? Eh bien ça, c'est ce que je recherche. Le petit souci, c'est que ces cellules cancéreuses résistantes-là ont une santé de fer. Et non, ce n'est pas qu'une façon de parler. Le fer est un élément indispensable qui permet à toutes les cellules de se multiplier. Et les cellules cancéreuses résistantes en utilisent 5 fois plus. Elles en sont complètement accros. Mais faites-moi confiance, j'ai un super aimant, l'AM5. Qui permet de tuer ces cellules cancéreuses résistantes. L'AM5 rentre dans chaque cellule, attire et piège le fer, qui ne peut plus être utilisé. Les cellules cancéreuses résistantes, avides de fer, vont en accumuler de plus en plus, sans jamais pouvoir s'en servir. Frustrées, elles vont finir par faire une overdose. C'est la mort par ferroptose. Pas d'inquiétude, les autres cellules de notre organisme qui ne sont pas accros, ne vont pas être impactés. Bon, maintenant qu'on sait comment tuer les mauvaises herbes résistantes, il ne reste, en théorie, plus qu'à ajouter un pesticide classique pour tuer l'ensemble des mauvaises herbes. Sauf que tout le monde sait qu'en pratique, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Je vous explique. Au laboratoire, j'ai cultivé des cellules cancéreuses. Je leur ai administré une chimiothérapie et notre super aimant. Sauf que, après plusieurs jours, les cellules cancéreuses résistantes ne mouraient pas, malgré la présence de notre super aimant. J'ai découvert que l'effet des deux traitements s'annule. On prend donc toujours le risque qu'une mauvaise herbe subsiste et que la tumeur se reforme. Pourquoi? Eh bien ça, c'est le mystère que je suis en train de résoudre. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sur la bonne voie et je compte bien trouver un moyen d'éliminer toutes les cellules cancéreuses telles qu'elles soient. Bien sûr, en attendant, n'oubliez pas de vous palper les seins régulièrement et de conseiller aux femmes autour de vous de le faire pour ne pas passer à côté d'une mauvaise herbe. Voilà. Emma nous a donné le conseil du jour et c'est un conseil important. Oui.
C'était très bien de finir sur cette note-là. Très bien. Merci, merci Emma. Voilà, vous avez donc entendu les 14 candidats. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va voir. Je vais leur demander de venir à côté de moi pour pas que je sois toute seule, puisque je vais vous expliquer comment ça va se passer maintenant. Le jury va venir avec moi tout à l'heure et va délibérer pour donc décerner le premier et le deuxième prix du jury. Il y a des critères, c'est sérieux, hein, le règlement national va être respecté. Et puis, vous, qui êtes présents, et le public qui nous a suivis sur YouTube ce soir, on va pouvoir voter. Vous allez pouvoir voter par SMS. C'est gratuit. Je ne sais pas ce qui s'affiche encore. Ça va s'afficher. Vous allez devoir envoyer deux SMS au numéro qui s'affiche. Le premier avec le code @SPC180 en majuscule qui va vous ouvrir le droit de voter sur l'application. Et avec le deuxième SMS que vous envoyez toujours au même numéro, vous enverrez le numéro du candidat qui vous a le plus convaincu par son talent de vulgarisateur ce soir. Alors, à l'extérieur, il y aura des petites affiches où vous allez retrouver le numéro de téléphone et les diapos de tous les candidats qui vous permettront de vous repérer. Ce n'est pas la peine de vous jeter sur les téléphones, je vois qu'il y en a qui sont accros, parce que je n'ai pas encore ouvert le vote, hein, donc ça ne sera pas pris en compte. Je vais vous donner le go. Vous aurez exactement 3 fois plus de temps que les candidats parce que vous n'aurez que 9 minutes pour voter. Voilà. Mais avant, je tenais quand même à remercier Samia et Louise qui étaient en régie ce soir. Et remercier Samia qui a rejoint l'aventure MT180 et qui maintenant, avec moi, prépare les candidats à cet exercice. Odile et Clara, bien sûr, que vous avez entendu. Alexandre, le maître du temps ce soir, que l'on appelle entre nous la fée clochette pour la soirée MT180. Siam, qui a échangé sur les réseaux sociaux et animé le chat YouTube ce soir. Lara, Mélanie, Caroline et Sandra, qui vous ont accueilli et qui vont vous guider si vous avez du mal à voter, si mes explications n'étaient pas très claires. Et puis globalement, tous les collègues du service com qui, à un moment ou à un autre, sont intervenus pour que cette finale se déroule dans de bonnes conditions et que vous y preniez du plaisir, que ce soit un moment sympathique pour tout le monde et pour les candidats, que je félicite encore parce que, je peux vous le dire, ils viennent de très loin. Voilà, alors je vais aller à l'ordinateur lancer l'application, je vous dirai top départ, vous pourrez voter. Donc deux SMS, le premier avec le code qui s'affiche, @SPC180, et le deuxième SMS avec le numéro du candidat. C'est parti, vous pouvez voter, vous avez 9 minutes. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de réseau dans l'amphi, donc vous pouvez sortir, bien sûr, ça marchera. Et le public internaute aussi peut voter selon exactement les mêmes modalités. Et moi, je vais partir avec le jury pour l'installer dans la salle de la délibération. Vous pouvez papoter à l'extérieur et on se retrouve d'ici une demi-heure pour l'annonce des résultats. Et ensuite, on pourra poursuivre la soirée autour d'un petit cocktail.
Voilà, alors est-ce que les candidats veulent bien regagner leur place? Alors, le jury a eu du mal. Le public, non, c'est allé très vite. 9 minutes, vous n'avez pas le choix. Il y a eu, alors mince, j'ai oublié combien il y a eu de votants pour le prix du public. Je vais vous dire ça. 382 votants qui ont décerné le prix du public et le jury qui, c'était chaud, hein, la fin de la délibération, ils ont pris des calculettes pour faire un, pour départager les deux candidats. Donc voilà, j'appelle Vincent Benet, Jean-Christophe Silo, Elias, Léa, Emeline et Nejma. Voilà, installez-vous, je vais vous donner un micro. Vincent, voilà, président du jury, qui va vous annoncer les résultats. Oui, vous m'entendez. Bien, je veux vous remercier d'être tous présents. Je remercie toute l'équipe de l'Université Sorbonne-Paris-Cité, et particulièrement Cécile Drey, toute l'équipe de la communication, toute la régie technique sans qui tout cet événement n'aurait pas pu avoir lieu, les compagnies théâtrales aussi qui avaient vraiment préparé ces candidats de manière exceptionnelle. Je tiens à souligner le haut niveau du concours. Un très haut concours, on ne s'est pas ennuyé une minute sur des sujets aussi difficiles qui sont des néophytes. Pour ma part, je suis linguiste, donc c'est pas, il y a quelques sujets qui m'ont parlé un petit peu, mais le reste, et c'est tout vraiment tout était très intéressant. On a été passionnés par vos sujets, on est vraiment que tous les étudiants qui font un boulot remarquable. Félicitations à vous, quel que soit le résultat de ce soir, que je vais vous dire tout de suite. Eh bien, sachez, j'ai encore combien de temps? Il me reste 120 secondes. Eh bien, continuez, c'est vraiment magnifique ce que vous faites. Voilà, on est enthousiastes. Alors, pour cette finale de ma thèse en 180 secondes de l'Alliance Sorbonne-Paris-Cité, le deuxième prix du jury est attribué à Emma Kosials. Le premier prix du jury est attribué à Esther Boissin. Et le prix du public a été attribué à Julien Marquereau. Je vais passer la parole à Jean-Christophe Silo, notre partenaire ce soir, qui va aussi, j'imagine, féliciter les candidats. Bon, rien de particulier à dire, à part toutes mes félicitations, enfin, ils sont pleines photos. Toutes nos félicitations, félicitations de la part des membres du jury, et puis de tous les spectateurs et internautes qui ont regardé la finale. C'était vraiment exceptionnel. Ça a été extrêmement relevé. On a été à deux doigts de se disputer là, dans le avec le jury. Donc ça a été très, très compliqué. Vous avez tous été très bons. Donc voilà, on compte sur vous pour continuer de briller là, sur les prochaines étapes et pour la demi-finale nationale notamment. Voilà. Merci à vous. Peut-être qu'un petit mot de... Qui est prêt à parler? Moi. Allez. Moi, je sais plus trop quoi dire, là, clairement. J'ai pas beaucoup de mots, mais j'ai plus de 3 minutes ou pas, je peux prendre mon temps. Non, merci à tous d'avoir été là, tous supportants et bienveillants, ça fait du bien, c'est chouette. Parce que l'exercice est vraiment pas facile, puis visiblement, on partait de très loin. Désolée pour le running gag. Non, voilà, bref, je voulais te remercier, Cécile, et Samia aussi, parce que vous nous avez encadré vraiment d'une main de fer depuis décembre, et c'était vraiment agréable. Non, mais les critiques étaient toujours bien placées. Enfin, ça nous permet d'arriver à ce niveau. Clara et Odile aussi, pour tous vos conseils et votre bienveillance et votre engouement. Et puis, vraiment, tous les autres candidats qui sont tout aussi méritants que mes deux camarades à côté de moi. Et puis, bah, merci à tous. Voilà.
pardon, excuse-moi. Moi, un peu comme toi, je tiens à remercier tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir encadrés. C'est vraiment une formation qui est géniale. Ça demande beaucoup de travail, mais on peut tous être très fiers de nous. Je suis contente puisque j'ai vraiment rencontré un groupe d'étudiants qui est génial, avec plein de bienveillance, comme tu l'as déjà dit. Mais merci à tous, en tout cas, et merci au jury. Ouais, du coup, ça va être un petit peu difficile d'être original, je suis désolé. Donc, avant tout, oui, merci à Cécile, merci à Samia, merci à Clara, merci à Odile. Essentiellement, la plupart du travail, c'est vous quatre qui nous avez appris, c'est nous, mais c'est aussi vous quatre qui nous avez appris à faire de ce que nous avions au début, sachant que nous partons de très loin, arriver là ce soir à produire tous ces 14 speeches qui étaient absolument sublimes et honnêtement, je pense que c'est un peu con, mais il n'y a pas de vainqueur. Moi, j'ai trouvé incroyable ce que tout le monde a fait. Et voilà. J'aimerais remercier tous les gens qui ont voté pour moi, forcément aussi. Que ce soit sur Discord, que ce soit sur Telegram, sur Messenger, que ce soit ma famille, mes amis, etc. Merci à vous, je vous adore. désolé, hein. Merci aussi au jury pour son écoute, merci au public qui a pu être là maintenant, merci à mon directeur de thèse, histoire d'être un petit peu original. ça c'est bien fait pour vous. Et voilà, et surtout, félicitations à tous les candidats avec qui j'étais. C'était pas une compétition, ça a été un travail qu'on a fait en équipe parce qu'on a revu le speech les uns des autres, on s'est écoutés, on s'est aidés, on s'est soutenus. On a essayé de se détendre aussi tous ensemble, donc voilà, et j'espère qu'on va continuer. Je vous rappelle qu'il y aura le champagne bientôt et je veux trinquer avec vous tous. Voilà, merci. Donc, vous l'avez compris, iront en demi-finale nationale les 8 et 9 avril prochains, Esther et Julien. Voilà, ça se termine là, l'aventure de MT180 2022. On repartira pour une nouvelle aventure l'année prochaine avec une nouvelle équipe de candidats. J'espère qu'ils seront encore plus nombreux. Et je remercie les 14 candidats cette année pour leur enthousiasme. Ils nous ont bien fait rire aussi. Ils sont partis loin pour certains. Mais n'empêche qu'ils sont arrivés tous à un très bon niveau et c'est ça qui compte. Et c'est bien le but de l'exercice, que vous fassiez plaisir et que vous appreniez aussi des choses, que vous puissiez raconter votre thèse, ce qu'on appelle le discours d'ascenseur, en 2 minutes, convaincre un employeur que votre sujet de thèse est le sujet qui fait que vous êtes embauché. Voilà, c'est un peu l'objectif, que vous puissiez être à l'aise pour parler simplement de vos travaux de thèse. Je vous remercie tous d'être venus et puis on se retrouve juste après pour partager un petit verre de l'amitié. Peut-être que tous les candidats peuvent venir faire des photos de promo.